Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On se retrouve sur Solo Leveling Arise pour faire un petit guide, mais qui va pas intéresser tous les joueurs. Aujourd'hui on va parler de cash play. Il y a une question qui revient souvent, c'est comment faire des achats lorsqu'on joue la version canadienne. On va en profiter également pour parler des meilleurs packs, parce que c'est une question que je me suis posée et d'autres joueurs se sont posés. Et oui, si on veut soutenir le jeu, quels sont les packs les plus intéressants? Lorsqu'on est free to play, la progression est plus lente, mais voilà, le jeu reste accessible en étant free to play. Cette vidéo n'est pas censée vous donner envie ou vous pousser à faire des achats. Je précise bien que ça concerne les gens qui ont les moyens de mettre de l'argent dans le jeu vidéo, enfin dans ce jeu vidéo ou dans les jeux vidéo en général. Donc, vous faites ce que vous voulez avec votre argent, voilà. Mais voilà, j'aimerais que dans l'espace commentaire, que les gens ne viennent pas s'offusquer, que les gens, enfin que d'autres joueurs mettent de l'argent dans le jeu. Je rappelle que si on est tous free to play sur tous les jeux gacha ou enfin les jeux gratuits comme ça, si tout le monde est free to play, bah, les serveurs ferment en fait. Donc les joueurs qui mettent de l'argent contribuent à l'économie du jeu. J'en fais partie parce que je suis vidéaste, je fais des guides. Et donc, pour moi, il y a un intérêt à mettre de l'argent pour avancer plus vite, pour avoir plus de ressources et pour pouvoir faire plus de choses qu'un joueur qui est free to play. Voilà. Je ferme la parenthèse. Bon, déjà, première chose, les amis, avant de commencer la VOD, le petit pouce bleu, si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. On se voit régulièrement sur ce jeu, vous avez le lien dans la chaîne Twitch dans la description. Nous avons également un Discord dans lequel il y a une section dédiée à Solo Leveling Arise. Vous avez le lien du Discord dans la description. Alors première chose, si vous voulez faire des achats dans ce jeu, vous devez vérifier votre compte. Vous êtes dans paramètres ici en bas à droite, là, petit rouage. Vous êtes dans Account Setting, qui est juste derrière ma tête, là. Et là, vous avez Google Connected et Email Connected. Lorsque vous avez fini de reroll, moi, je vous invite à connecter un compte Google. D'ailleurs, si vous avez raté ma vidéo, enfin, si vous êtes intéressé par comment optimiser le reroll et ou comment installer le jeu, je rappelle que le jeu est disponible que pour les joueurs au Canada et en Thaïlande. Mais en attendant, on peut y jouer, nous, Européens ou Américains, ou peu importe. Je vous ai fait un guide en cliquant sur le bouton en droite. Donc, lorsque vous avez fini le reroll, vous vous connectez avec votre compte Google. Comme ça, ça va synchroniser avec votre téléphone mobile, parce que ce jeu est cross-save et cross-platform. Donc tout ce que tu vas faire sur la version PC va se synchroniser avec ton compte mobile. Mais pour faire des achats, quand tu vas faire un achat dans le jeu, il va te dire ouais, il faut vérifier, faut avoir un compte vérifié, je sais pas quoi. Vous êtes obligé de créer un compte email sur Netmarble en fait. Moi j'avais déjà un compte Netmarble parce que j'ai joué à d'autres jeux qui me demandaient donc un compte Netmarble, enfin de m'inscrire. Donc je me suis juste connecté avec mon compte Netmarble. Mais si vous n'avez jamais joué à un jeu Netmarble, vous êtes obligé de créer pour la première fois un compte Netmarble. En fait, il faut juste cliquer ici et en fait vous avez juste à renseigner votre email et à mettre un mot de passe. Voilà, c'est un truc tout basique. Une fois que c'est fait, vous serez en mesure de faire des achats. Alors, moi, ma carte bleue ne passe pas. Parce qu'actuellement, le jeu est limité au Canada et en Thaïlande. Et ma carte bleue est domiciliée en France. Donc, les achats carte bleue ne fonctionnent pas. Par contre, vous pouvez faire des achats avec PayPal. Voilà. Vous cliquez ici, vous cliquez ici. Ensuite, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Bon, là, vous ne le voyez pas, mais voilà. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Et en fait, vous glissez en bas. Vous avez le choix entre carte bleue et PayPal. Donc si vous avez un compte PayPal, utilisez-le, ça marche. Donc, carte bleue, sauf si vous êtes canadien, si vous êtes canadien, la carte bleue passe, pardon. Si vous n'êtes pas canadien, il faudra utiliser PayPal. Alors moi, je suis cash player. Hein. Je rappelle que je suis devenu cash player il y a 2-3 jours. Encore une fois, parce que voilà, je suis vidéaste, tout simplement. Bon, maintenant, on va répondre à la question, quels sont les packs les plus intéressants? Moi, je pense que les packs les plus intéressants sont les packs mensuels. Ça va vous donner un ticket d'invocation, tous les jours, une fois.
Et il y en a 28 en tout. Ouais, 28 en tout de tickets à récupérer. Donc de quoi faire quasiment 3 multi. Ensuite, vous avez des free special sweep. Les sweeps, en fait, en gros, ça permet de skip un combat lorsque vous faites les portails. C'est en gros, vous gagnez du temps, en fait. C'est vrai que devoir faire tous les combats de portail, ça prend un peu, enfin, ça prend un certain temps. Vous avez aussi obtenir plus de gold, 30% de gold en moyenne en plus. Et puis, vous pouvez aussi utiliser le multiplicateur x4. En fait, vous avez des clés tous les jours. Voilà, vous avez des clés. Là, 4, 4. Et en fait, avec le pass, là, vous pouvez, au lieu de faire x3, grand max, vous pouvez faire x4. Donc en fait, en un run, un seul combat, vous allez utiliser toutes vos clés ici et ici. Et les sweeps, bah les sweeps, c'est ça en fait. Bon, je vais vous faire une petite démonstration. Voilà, c'est ça les sweeps. Les spéciales free, ouais, spécial sweep qui sont, enfin, qui sont disponibles lorsque vous êtes cash play. Je le fais sur les combats qui sont un peu chiants, qui demandent un peu de puissance, voilà. Ou lorsque j'ai pas le temps. Normalement, je peux sweep les B et les C avec les points gratuits, voilà. Ça, normalement, je crois que tout le monde peut le faire. Voilà. Parce que, mine de rien, 13 combats qui prend à chaque fois 3-4 minutes, voilà. C'est un peu long, c'est un peu chiant. Donc avec les sweeps de base, je peux en faire plusieurs, mais avec les spéciales, j'en ai, voilà, j'en ai un peu plus. Donc on passe moins de temps à faire les gates. Là, actuellement, je dois faire 13 runs par jour. C'est un peu... ça prend du temps. Ensuite, pour revenir à nos packs. Vous avez l'autre pack, Daily Essence, qui permet de récupérer 5600 Essence Stone. Sachant que la multi t'as 2500, donc vous récupérez une multi, non deux multi en fait, 2500 x 2, ça fait 5000. Ouais, plus de deux multi, plus encore des Hunter Association Support Chest, c'est ça en fait. Vous allez en récupérer 28, un par jour. Et en fait, dans ce coffre, qu'est-ce qu'il donne? Vous avez une chance, une petite chance de dropper une arme SSR pour Sung Jingwu. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis tous les jours, vous récupérez 50 000 gold. Et à la fin, vous récupérez jusqu'à 1,5 million. Enfin, 1,4 million. Donc 50 000 fois, je crois que c'est 28 jours. Ouais, c'est ça, fois 28. Et à la fin, ça fait 1,4 million. L'or, c'est très important dans ce jeu. Ça part tellement vite. Donc je pense que ce pack est aussi très intéressant. En fait, initialement, il coûtait 8 euros. Si vous l'achetez la première fois, après, ça passe à 6 euros. Pareil pour ce pack, il coûte 10 euros. Et ensuite, il passe à 8 euros. Donc, moi, personnellement, j'ai pris ces deux packs parce que c'est le plus intéressant. Des tickets d'invocation, plus d'XP pour le héros, plus XP, enfin plus d'or que je récupère naturellement. Des sweeps en plus pour gagner du temps. L'autre pack, ça me permet de récupérer pour 8 euros deux multi. C'est clairement très intéressant. Ça revient à la multi à moins de 5 euros. 4 euros même. Plus encore... 1,4 million de gold sur un mois, c'est, ça fait plaisir. Parce que l'or, ça part très très vite. Hein. Dès que tu veux monter un personnage, les skills, tout coûte de l'argent dans ce jeu, ça en fout. Ensuite, vous avez d'autres packs qui sont intéressants. Alors moi, je ne vous conseille pas d'acheter ces packs-là pour l'instant. Les packs diamants. Les packs bonus ici, tous les jours, en fait, vous pouvez acheter un pour 1 euro. Vous avez une single sur le portail limité. Et 5000 gold. Donc, sur... En gros, ça revient une multi à 10 euros plus 50 000 gold. Voilà. Et en achetant avec le pack à 1 euro, en fait, ici, c'est marrant. En fait, avant, il y avait un timer. Là, il n'y a plus de timer. Tous les 1, 2, 3, non, tous les 10 achats, vous récupérez ce SSR. Alors, que vaut ce SSR je crois qu'il n'est pas incroyable, mais ça reste un SSR. Voilà. Tous les 10 achats, tu récupères une fois et tu peux le faire plusieurs fois. Voilà, ce pack à 1 euro, il est pas dégueu. Alors, pour revenir à notre bundle, hein, j'ai pas encore pris, mais voilà. Là, actuellement, je suis au reset.
je vais pouvoir récupérer mon coffre. Donc tous les jours, pensez, enfin si vous achetez ce pack, hein, tous les jours pensez à aller dans bonus, non pas dans bonus, dans spécial. Donc vous avez le daily free là, plus le coffre que vous récupérez gratuitement parce que vous achetez le pack. Pensez vraiment à le prendre. Hein. Et c'est gratuit, enfin c'est gratuit, c'est lié à votre pack. Bon, je vais aussi prendre ça tant qu'à faire, vu que je suis à côté. Et donc, maintenant que j'ai mon coffre, je vais l'ouvrir. Tac, vous allez dans coffre ici, enfin dans votre sac à dos. Voilà, c'est ce coffre-là. Et voici ce que je peux dropper. Je peux dropper ces différentes armes pour Song Jiwoo. Bon, après tu vois que le taux drop est très très bas. J'ai aussi une certaine chance de récupérer 500 et 100 stones, ou voire 1000 stones, ou 200 stones. Après, vous avez plus de chances de choper des fragments, des clés. Voilà. Là, je crois que je suis à mon cinquième jour d'essai. Est-ce que je peux enfin dropper une arme nécessaire? J'ai toujours aucune arme nécessaire pour le héros. On croise les doigts. Voilà. Enfin bref. Bon, revenons à nos packs. Je regarde un peu les autres packs qui se trouvent dans mission. En vrai, celui-là, il n'est pas dégueu. Pour 26 euros, vous allez récupérer énormément de tickets pour le portail permanent. Maintenant, la question, c'est est-ce que le portail permanent, ça vaut le coup vraiment ou pas? Parce que là, vous récupérez 10, 20... 30, 40, 50, 60, 65, 65 tickets. Ouais, si je dis pas de bêtises. 6 multi. En vrai, c'est worse, mais portail permanent, je trouve ça pas... On récupère déjà beaucoup de tickets. Hein. Il y a énormément de tickets dans le jeu. Je dirais que vous avez de quoi faire 3 ou 4 petits. Ouais, on dirait 4 petits. Avec tous les tickets qui sont à récupérer à droite à gauche. Là c'est pareil, on récupère pas mal de tickets, mais encore une fois, moi je pense que les packs les plus intéressants sont les packs avec ça c'est vraiment si vous avez vraiment besoin de choper des personnages ou des SSR, mais je pense que c'est pas worth, en tout cas pour l'instant. Ah oui, j'ai oublié de préciser, quand vous achetez ces packs là, en fait vous récupérez aussi ces cristaux. En fait, vous avez une monnaie premium dans ce jeu. Et c'est ces diamants, en fait. Avec ces diamants, en fait, vous pouvez acheter des packs diamants, comme ici. Pour 600, vous avez donc différentes ressources. Moi, je vous conseille pas trop celui-là. Bon, là, vous pouvez acheter de l'or, mais pareil, je vous conseille pas forcément. Moi, je vous conseille d'utiliser vos diamants. Tiens, j'ai pas vu ce petit pack. Bon, ça, c'est pas worth, ça. Hein. Moi, je vous conseille d'acheter le Battle Pass. Parce que vous avez un Battle Pass ici en plus. Ah, c'est pas celui-là. Qu'est-ce que je raconte? Le Battle Pass, il est... Attends, il est où? Ah, il est là. Alors, le Battle Pass, vous avez trois lignes. La première ligne, tout le monde l'a là, en fait. Elle est gratuite. La deuxième ligne, elle vous demande des cristaux. Les diamants bleus, là. J'ai déjà claqué, donc du coup, j'ai accès à la deuxième ligne. Et la dernière ligne, ça va vous demander de l'argent. Donc là, ça coûte 23 euros. 23 euros, vous avez récupéré 6 multi, quasiment une pitié. Je rappelle que la petite a 8 multi. Donc ce pack-là est assez intéressant. Pour 23 euros, vous avez 80% de la pitié quasiment. Voilà, la petite à 81, la soft petite à 64. Voilà. Vous pouvez l'acheter une fois par mois pour vous assurer une pitié. Ça se reset tous les mois. Enfin, en tout cas pour l'instant, 33 jours. Et celui-là, j'ai déjà acheté. En fait, j'ai pu l'acheter. Je crois que c'est 1500 diamants. Et les diamants, en fait, je les ai récupérés. Enfin, je les ai récupérés avec le Battle Pass. Avec les packs mensuels. Juste avec ces deux packs là. 880 et 700. Ouais, c'est ça. Ça me fait 1500 et des poussières. Il me reste plus que 120. Donc, ouais, c'est juste en achetant les deux packs là. Tu récupères pas mal de ressources. Plus encore la deuxième ligne du Battle Pass. Là, actuellement, par exemple, je suis à la ligne 19... Attends. Toc. Est-ce que je vais passer d'un palier? Oui.
là, level 20, et je vais récupérer 5 singles en plus. Voilà. Donc le Battle Pass, très intéressant. Je pense que j'ai fait le tour, je pense qu'il n'y a pas d'autres packs qui sont incroyables. Dites-moi dans l'espace commentaire si j'ai raté un pack. Mais voilà, je pense que les meilleurs packs, c'est ça. Les plus importants, les plus rentables. Les packs diamants, pareil, moi je vous invite à pas acheter ici pour l'instant. C'est vraiment un skip là. Là vraiment, si vous voulez choper un SSR, je sais pas ce qu'il vaut, j'ai récupéré hein, juste pour pouvoir tester un jour, mais pour l'instant j'en ai pas besoin. De toute façon, en fait j'ai un problème d'or, je peux pas monter tout le monde. Après ce pack à 1€ par jour, il est pas dégueu. Mais d'abord, en priorité je dirais les bundles. Et puis le Battle Pass, la troisième ligne du Battle Pass. Pour moi ça c'est le pack le plus intéressant. Voilà. Le Deluxe ici là, 22 balles. Enfin 23€. Donc voilà les amis. Désolé pour ce petit guide pour les cash players. Mais voilà, c'est une question que des gens se sont posées. Il y a des gens qui veulent soutenir le jeu. Il y a des gens qui ont les moyens de mettre de l'argent. Donc voilà les amis, sur ce, à très bientôt. Le petit pouce bleu, le petit abonnement. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Vous avez le lien dans la description. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à installer le jeu qui se trouve également dans la description, enfin dans l'espace commentaire. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.